Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une série d'ordonnances portant nomination des ambassadeurs, des magistrats et affectation de certains. Quelques magistrats ont été également mis en retraite. Jean Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, a séjourné à Kinshasa. Il a rencontré le président du Sénat, Modeste Baati, et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, avec les deux interlocuteurs. Le diplomate onusien a évoqué le processus de retrait progressif. Suivons. Malgré des violentes manifestations qui ont éclaté dernièrement à Goma, dans la province du Nord Kivu, contre la MONUSCO, causant mort d'hommes et plusieurs blessés, la MONUSCO salue les efforts diplomatiques menés au niveau international par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. En visite à la chambre basse du Parlement, il était accompagné de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO. D'une même voix, ils ont confirmé au speaker de la chambre basse du Parlement, Christophe Mboso-Kodiapuanga, que l'Organisation des Nations Unies s'inscrit dans le plan de désengagement et de retrait de ses troupes sur le territoire congolais. La MONUSCO souhaite créer les conditions du retour de l'autorité de l'État pour qu'elle puisse elle-même partir. C'est le sens du plan de transition qui a été discuté avec le gouvernement. Et nous souhaitons que ce plan soit mis en œuvre avec les efforts nécessaires, encore une fois, de part et d'autre, dans les domaines civils, dans les domaines de la sécurité. Et puis nous avons souligné l'importance des efforts diplomatiques qui sont conduits actuellement, et notamment ceux qui sont conduits sous l'égide du Kenya et de l'Angola, parce que cette crise a une forte dimension régionale, c'est évident, et il est absolument important que les décisions qui ont été prises dans le cadre de ces deux processus diplomatiques soient mises en œuvre rapidement, que ce soit la force régionale, que ce soit les efforts en matière de désarmement des groupes, que ce soit la mise en œuvre d'un mécanisme de vérification de sécurité renforcé au niveau de l'Est du Congo. La délégation de la MONUSCO et le bureau de l'Assemblée nationale a rendu hommage à toutes les victimes des incidents tragiques au Nord Kivu, notamment les victimes congolaises et les personnels de la MONUSCO. Jean Lacroix a également rencontré le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, nous dit Patti Tondang. Cette réunion entre le gouvernement et la MONUSCO s'est tenue dans le but d'établir les responsabilités et examiner la manière de faire en sorte que les manifestations anti-MONUSCO qui ont causé la mort des Congolais et des casques bleus ne puissent se reproduire dans l'avenir. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix a remercié le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et le gouvernement congolais pour des mesures prises dans le but de renforcer la sécurité dans les localités affectées dans le Nord Kivu. Jean-Pierre Lacroix a en outre souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les Nations Unies et le gouvernement congolais. D'abord, c'était l'occasion de rendre hommage à toutes les victimes des violences de ces derniers jours, les victimes congolaises, les victimes aussi parmi nos collègues de la MONUSCO. Et nous avons, d'une manière générale, évoqué la nécessité de renforcer la coopération entre le gouvernement et la MONUSCO à tous les niveaux, la coordination, qu'il s'agisse du soutien aux efforts diplomatiques en cours qui sont absolument indispensables. Je pense au processus de Nairobi et de Luanda, puisque nous avons une situation qui a une dimension de crise et de tension régionale qui se superpose à des tensions locales, à un contexte national particulier. Donc nous sommes convenus de renforcer notre coordination sur cette dimension, sur la dimension sécuritaire, également sur la communication. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, cette rencontre était aussi une occasion pour le gouvernement congolais d'exprimer sa marque de solidarité et de compassion envers les casques bleus et les compatriotes congolais décédés. Les discussions ont porté sur la nécessité notamment de faire des enquêtes pour faire la lumière
et surtout sur les dispositions à prendre pour que cela ne se répète plus, parce que, comme le président de la République l'a rappelé hier dans sa communication au Conseil des ministres, le partenariat avec la MONUSCO doit continuer et que le retrait de la MONUSCO ne devrait pas du tout faire l'objet d'une quelconque forme de manipulation qui puisse conduire aux événements malheureux que nous avons connus. Et dans cet ordre, le travail va continuer avec l'équipe de Mme Bintou sur place et l'équipe du gouvernement pour être sûr que les objectifs communs sont atteints et pour être sûr que le partenariat avec les Nations Unies est préservé et que des dispositions, tant sur le plan de la communication que sur le plan de la sécurité, que sur le plan de la justice, sont prises pour que les événements que nous avons connus ne se répètent plus. Patrick Mouyaya a à cette occasion réitéré l'appel à la paix lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Un communiqué avant de poursuivre ce journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a appris avec consternation l'incident grave qui s'est produit ce dimanche 31 juillet 2022 au poste frontalier des Kassindi entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Il condamne et déplore vigoureusement cet incident malheureux dont le bilan provisoire fait état de 2 compatriotes décédés et 15 autres blessés à la suite des coups de feu tirés par des casques bleus d'un contingent de la brigade d'intervention de la MONUSCO en province de l'Ouganda et de leur passage en force à la frontière. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et exprime toute sa compassion aux blessés. Il leur rassure que des dispositions requises sont en cours pour assurer la prise en charge matérielle et judiciaire consécutive à ce drame. Le gouvernement, conjointement avec la MONUSCO, a initié une enquête pour établir les responsabilités, connaître les motivations d'un tel forfait et obtenir des sanctions sévères à l'encontre des casques bleus à la base de ce drame qui sont du reste déjà aux arrêts. Il souligne que les casques bleus concernés ne pourront plus faire partie des contingents de la MONUSCO en attendant l'aboutissement du plan de retrait de cette force onusienne de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo appelle au calme à la population congolaise en général et particulièrement celle de Kassindi et de toute la province du Nord Kivu. Il rassure qu'il veillera à ce que pareil incident ne se reproduise plus. Fait à Kinshasa, le 31 juillet 2022, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Les femmes de l'administration publique n'ont pas été en marge de la journée de la femme africaine. Elles ont, après réflexion, remis un mémorandum au vice-premier ministre, ministre de la fonction public Jean-Pierre Liao, qui les a encouragés à la culture de l'excellence. Nadine Kilocho. Célébration de la Journée internationale de la femme africaine, les femmes de l'administration publique, regroupées au sein de la dynamique des femmes de l'administration publique congolaise, DFAPEC, se sont réunies à l'IEC pour une journée de réflexion. À l'occasion, un mémorandum reprenant leurs préoccupations a été remis au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nous voulons à ce que nous puissions être représentés dans les instances de décision. Prenant la parole, le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sous la détermination du gouvernement, sous le leadership du chef de l'État et la supervision du Premier ministre, de promouvoir les droits de la femme au sein de l'administration publique et veiller sur l'égalité de droits entre hommes-femmes dans l'administration publique. Il faut que place à moitié dans la garantie. Et pour la garantie, il y a beaucoup. Là-bas, concours, il y a tout le temps. Et c'est bien, moi c'est à la représenter. Donc on dit à Moka, papa Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Pas chez toi. En tant que père, importance à Kassina, ma capota les gens. En tant que père, et si ma Kassina, moi si, n'a pas instance la décision. Donc on doit pour que l'homme va trouver la vie dans le respect. L'homme va trouver la vie dans la fierté.
Répondant à la demande faite, Jean-Pierre Liaou a annoncé la levée de la limite d'âge en rapport avec la formation des femmes à l'ENA comme à l'étranger. Célébrée sous le thème égalité hommes-femmes, aujourd'hui pour un avenir durable, la journée internationale de la femme africaine cette année marque un nouveau départ pour l'administration publique congolaise pour le respect du genre. L'humanité célèbre ce 31 juillet 2022 la journée internationale de la femme africaine. Une journée de réflexion a été organisée pour promouvoir les droits de la femme. David Mubenga. La journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet de chaque année n'est pas passée inaperçue. La dynamique des femmes de l'administration publique de l'État congolais, des FAPEC en cible, a saisi cette occasion pour lancer un message fort sur la situation des femmes fonctionnaires. C'était au cours d'une grande manifestation organisée à cet effet. La présidente de la DFAPEC, Marie Maïndou, a dénoncé toute forme de violence faite aux femmes dans les entreprises publiques avant de rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle dans la défense des droits de la femme en République démocratique du Congo. Invité à cette manifestation, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a mis l'accent sur la représentativité de la femme dans la prise des décisions et sur le projet de la féminisation de l'administration publique basé sur la compétence. La dynamique des femmes de l'administration publique a aussi accordé une mention spéciale au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou pour la mécanisation de 22 000 agents de l'État et pour d'autres réalisations qu'il a fait depuis qu'il est à la tête de ce ministère. L'autonomisation économique des veuves et de leurs enfants ainsi que la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles, ces sujets a fait débat lors d'une rencontre organisée à Massina au quartier Mapela par l'épouse du président de l'Assemblée nationale. D'autres précisions dans ce reportage de Serge Merlin-Mata. International des veuves et ses enjeux que l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Jules César Kabenga Michel, et présidente de la fondation portant son nom, a organisé cette rencontre d'échange avec les veuves et autres personnes vénérables des Massina quartier Mapela. Elle a tourné autour de l'autonomisation de la femme. Il a été question pour Mbosso Jules César Kabenga Michel de renforcer les capacités économiques et financières de toutes ces mères de famille, surtout des veuves et personnes vénérables, pour qu'elles arrivent à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Au-delà de son appel à l'unité, à l'entraide, l'amour du prochain ainsi qu'à l'esprit entrepreneurial, un accent particulier a également été mis sur les conséquences du mariage précoce des jeunes femmes, car cela réduit la capacité du ménage à satisfaire ses besoins élémentaires et contribue ainsi à une plus grande pauvreté. Différents types de doléances ont été exprimés par toutes ces veuves et femmes vénérables des Mapela. À l'issue de cette séance de sensibilisation sur la gestion d'une activité génératrice des revenus, l'épouse du président de l'Assemblée nationale et présidente la fondation portant son nom, Mbosso Jules César Kabenga Michel, a offert des vivres et des non-vivres aux veuves du quartier Mapela dans la commune de Massina. Ces dons étaient composés entre autres des pannes, des sacs de riz, des bidons d'eau, des jus et autres biens de première nécessité. Lancement rapport mondial sur le SIDA, exercice 2022, c'est ce qui a réuni le bureau régional de l'ONU SIDA avec les journalistes des pays de l'Afrique et du Madagascar au cours d'une conférence de presse. Constance Mananga. Rapport de l'ONU SIDA qui tire l'attention de tous. Si rien n'est fait, les efforts consentis dans la lutte contre le SIDA pour son élimination d'ici à 2030 risquent de ralentir les avancées réalisées pourtant significatives. La directrice régionale de l'ONU SIDA, Bertil Gaongaire, a, au cours d'une conférence de presse virtuelle qui a réuni son bureau et les journalistes des pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de Madagascar, membres du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, REMAPSEN, a donné quelques principaux résultats du rapport actualisé du SIDA 2022. Les données et les chiffres sont éloquents. L'objectif de ce rapport n'est pas de tenir un discours alarmiste, mais de tirer la sonnette d'alarme face à un certain nombre de défis que le monde doit
relever ensemble. 1 500 000 nouvelles infections VIH ont eu lieu en 2021, soit 1 million de plus que l'objectif que le monde s'était fixé de 500 000 nouvelles infections en 2021. Le président exécutif de Remapsen, Bamba Youssouf, a par ailleurs encouragé les journalistes à être des acteurs dans la réponse au VIH avant de leur demander de s'impliquer dans la dissémination de ces rapports avec des productions médiatiques de qualité. Il est difficile d'avoir des résultats probants si nous n'avons pas communiqué autour de nos performances. Alors si l'on ne peut pas se déplacer pour aller dans une région donnée, pour faire de la sensibilisation, on peut le faire à travers les médias. Parce que les ondes n'ont pas peur d'aller là où les hommes ont peur d'aller. Il faut que nous, journalistes, nous prenions conscience de cette situation. En danger, l'intitulé de ces nouveaux rapports, il faut relever les défis, surtout dans la lutte contre le sida pédiatrique, les violences basées sur le genre et enfin mettre fin aux inégalités et la voie de la réussite. Corrigez avec moi, c'est de Madagascar et non du Madagascar, car c'est une ville, c'est une île. Le gouverneur du Kasaï central a effectué une ronde dans la ville de Kananga pour faire un état des lieux de l'hôpital général de Kananga et de quelques infrastructures routières. Reportage. Du Kasaï central, John Kabea Shikai a effectué ce lundi 26 juillet 2022 des visites de courtoisie dans certains établissements publics de l'État. La première étape a consisté à se rendre compte du fonctionnement du complexe hospitalier de Kananga. Le tout commence par l'hôpital provincial. Ici, le chef de l'exécutif provincial a visité certains services, notamment la salle néonatologie, salle des urgences, et d'autres, conduits par les médecins directeurs. Dr Zedi Lunga a succinctement énuméré les difficultés que rencontre son établissement. Il s'en est suivi la visite guidée de tous les pavillons occupés par l'organisation internationale Médecins sans frontières, MSF Belgique, et de la centrale de distribution et d'approvisionnement en médicaments essentiels de Kananga en sigle CADUMEC. La deuxième étape de la visite de John Kabea était de s'enquérir de l'état actuel de l'abattoir urbain. Sur place, le gouverneur des provinces a fait un constat de délabrement très avancé des locaux et le manque d'équipements essentiels pour l'abattage. Bien avant ces visites, le numéro 1 du Kasaï central a reçu dans son cabinet de travail le directeur de la région nord de la SNCC, les acheteurs, vendeurs et évacuateurs de maïs. Il était question au cours de cet entretien pour le gouverneur de province de donner des orientations en vue de trouver des solutions pour juguler la spéculation au sujet de la hausse des prix des maïs. À Chikapa, 46 lauréats ont reçu leurs grades académiques des sages-femmes. C'est la deuxième promotion de l'ISTEM Chikapa. Franklin Kalombo, reportage. Dense et intense émotion qui s'est déroulée ce samedi 30 juillet 2022, la cérémonie de collation des grades académiques de la filière reconversion en sage-femme à l'ISTEM Chikapa. Cette cérémonie, officielle et riche en couleurs, a été présidée par le gouverneur de province ad intérim, Gaston Kolechimwanga, qui s'est fait accompagner du président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, le ministre provincial, le représentant du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire et plusieurs autres anonymes. Au cours de leurs interventions, bien avant la collation des grades académiques aux heureux lauréats, les autorités académiques de l'ISTEM Chikapa n'ont eu que des mots justes pour dire merci aux responsables de l'ASBEL Sanri qui, depuis le début de l'année 2019, travaille en collaboration avec l'ISTEM Chikapa dans le cadre du projet dénommé BOMOI, financé par l'Agence suédoise de développement international. Dr Britou, project manager de l'ASBEL Sanri, a dans son mot des circonstances souligné que le projet BOMOI, mis en œuvre dans les provinces de Maniema et Kasaï par Sanri, consiste à l'amélioration de la santé de la population en général, et celle de la mère, enfants et adolescents en particulier. Ceci dans le but de réduire les taux de morbi-mortalité de la mère et l'enfant en République démocratique du Congo. Ces 46 finalistes de la deuxième promotion de la reconversion en sage-femme ont suivi une formation de 18 mois organisée sous le système LMD, fruit d'un partenariat entre le ministère de l'ESU et celui de la santé.
Les travaux d'électrification des secteurs et territoires de la RDC partiront de Kananga, mission confiée à Anser qui a 6 mois pour desservir plusieurs ménages dans le Grand Kasaï. Ramazani Moulanda. C'est à Mboudjimaï, dans les centres du pays, que l'Agence nationale d'électrification des zones rurales et périurbaines, Anser en sigle, a lancé le début des travaux d'électrification du pays après 2 ans d'études. La cérémonie était festive et haut en colère. Les élites de la province se sont déplacées par dizaines de Kinshasa pour rehausser de leur présence et marquer l'événement d'une pierre blanche. De façon globale, pour l'ensemble du pays, voici les projets que nous avons. Nous avons aujourd'hui un portefeuille de 111 projets. 111 projets pour l'ensemble du pays. L'électrification rurale constitue les piliers essentiels de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a boosté le développement à la base dans les 145 territoires qui constituent la RDC de notre pays. Pour l'espace Grand Kasaï, par exemple, une enveloppe de 30 millions de dollars a été disponible pour connecter plusieurs localités au réseau électrique au plus tard en décembre 2022. C'est pour ça qu'on parle des paiements, c'est pour ça qu'on parle des compteurs prépayés, c'est pour ça qu'on parle des modèles économiques. Pour que ça soit durable, il faut un coût. Si on fait du folklore, distribuer l'électricité, tout le monde, ça ne va pas durer. Donc c'est vraiment la partie la plus difficile sur laquelle nous voulons nous attaquer. Et nous sommes en train d'y réfléchir et nous avons besoin de votre soutien. Merci. Pour aller vite, l'Anser a privilégié les solaires et les autres sources énergétiques seront exploitées plus tard. Dans la province du Bas-Ouélé, une morgue vient de voir le jour. L'inauguration a eu lieu en présence des autorités politico-administratives de cette entité. Regardez. Fils digne de la province du Bas-Ouélé et du véritable élu du territoire de Bondo, l'honorable prince Ibrahim Lengou est venu d'abord pour l'inauguration de la toute première morgue moderne et gratuite financée sous fonds propres. Merci d'abord à la Premier ministre. Merci. Je remercie le Premier ministre ainsi que toute la délégation qui nous a accompagnés jusqu'ici. Je remercie la population de Bondo et tous les chefs de chefferie. Merci, Navachev de Chefferi Nabissou. Le conseiller principal du Premier ministre venu de Kinshasa pour la circonstance n'a pas manqué de mots. Honorable Lingo, nous vous demandons de ne pas vous arrêter ici pour vos actions. La notabilité locale, elle, a dit toute sa reconnaissance. Pour nous, les autorités politico-administratives, cette morgue constitue un motif de fierté, car désormais, nos morts seront enterrés dignement et sans précipitation. L'honorable prince Ibrahim Lingou a écouté, échangé avec les forces vives de la population du territoire de Bondo, les femmes militaires, les personnes vivant avec handicap, les confessions religieuses et les opérateurs économiques. Les dons et autres œuvres sociales n'ont pas manqué, dont l'inauguration du pont Malouga, long de 12 mètres, et la visite de l'école Ngelenga en pleine réhabilitation. Du territoire de Bondo, l'honorable prince Ibrahim Lingou arrive à Monga, son village natal. Ici, il se soumet au même exercice. Il échange avec les différents couche de la population locale. L'élu de Bondo, l'honorable prince Ibrahim Lingou, procède à la pose de la première pierre de la construction d'une clinique moderne de Monga. Une journée scientifique à l'université protestante du Congo. À cette occasion, l'université technologique Bell Campus a présenté à la communauté scientifique le livre intitulé Congo émergent. José Amouli, reportage. Salle de conférence de l'université protestante au Congo, IPC, autorités académiques, professeurs d'université et étudiants ont échangé sur le plan Congo démocratique émergent à l'horizon 2040. Au cours de cette journée scientifique, les orateurs ont disséqué minutieusement le programme de société de la RDC à l'horizon 2040. Le premier à intervenir, le professeur Kabe Achikou, abordant la présentation du projet qui comporte 1351 pages, 17 chapitres, 105 graphiques, 219 tableaux, 156 programmes, 336 projets élaborés et chiffrés. Le plan Congo démocratique émergent répond aux défis de la crise multiforme que connaît la RDC. Une publication réalisée grâce aux efforts du président du conseil d'administration de l'université Bell Campus. L'historique, la problématique et la méthodologie de la réalisation du plan ont été abordés. Bosse Kotawacha, président du conseil d'administration de l'Université Bell Campus et 12 professeurs d'université ont mis une année et un mois pour l'élaboration du projet, un programme qui intervient suite à la demande du chef de l'État
convient les universités centres de recherche à se joindre au gouvernement pour accompagner l'élaboration du plan démocratique émergent en RDC, à l'instar de quelques pays africains comme le Ghana, le Sénégal, le Maroc et autres. Le projet exige de la RDC plus ou moins 150 milliards. Abordant le jeu des questions-réponses, les invités voudraient avoir des éclaircissements sur les sources du financement du dit projet. Les femmes d'Elitouri prêtent à accompagner le programme PDDRC pour la stabilisation de la paix et réclament leur représentativité pour leur apport dans la pacification à travers ce programme. Mobilisées pour le retour de la paix, les femmes de l'Ituri, réunies au sein de leur collectif, se disent prêtes à accompagner les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Saluant la volonté manifeste des groupes armés locaux, Elisabeth Bouvelove, sa présidente, plaide cependant pour la représentativité féminine au niveau des territoires, au-delà de la coordination provinciale. Nous avons compris, les hommes sans les femmes, en tout cas, il y a des équilibres. C'est pourquoi notre recommandation est toujours qu'on puisse, n'est-ce pas, aussi faire impliquer les femmes, même au niveau du territoire, au niveau des groupements, au niveau, c'est pas des localités, il faut, au niveau des secteurs, il faut que les femmes soient aussi présentes. Merci. Pour Willy Abibou Sebou, coordonnateur provincial du PDDRCS en Ituri, le programme est communautaire et tient compte du genre. Tout, les femmes n'ont pas à s'inquiéter. Au niveau du cabinet de coordonnateur, vous trouverez les femmes. D'ailleurs, dans l'équipe dirigeante de la coordination, nous avons une dame qui est coordonnatrice adjointe, chargée de l'administration et finances. Soucieux de matérialiser la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les animateurs du PDDRCS en Ituri s'activent pour l'effectivité des 10 programmes sur terrain. Reprise à l'organisation d'équipements Bandana Kinshasa, cérémonie présidée par le secrétaire général au transport et de plusieurs autorités de la ville de Matadi. Images et commentaires. Général de l'organisation pour l'équipement Bandana Kinshasa, Jean-Claude Mavambo, ancien directeur adjoint de cette organisation, dans le comité Gomer, on remplace Gloria Toulouka qui n'a fait que 4 mois à la tête de l'OEBK. Reconnaissant que toute autorité vient des dieux, Jean-Claude Mavambo sollicite une messe d'action des grâces à la paroisse Sacre-Cœur de Kinkanda pour remercier Dieu Tout-Puissant qui a permis qu'il prenne la direction de cette entreprise. Dans son homélie, l'abbé Emmanuel Panzou puise sa prêche dans le livre de 2 Chroniques, versets 25, 14 à 16 et Luc, versets 17, 11 à 19. Présent à cette messe, l'honorable Simon Floribert Mbachi-Bacha, député national, appelle son jeune frère au pardon, à la bonté ainsi qu'au travail de qualité. Le directeur général de l'OEBK remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le ministre de Transport, Chérubin Okende, pour le choix porté sur sa personne à la tête de l'OEBK. Il promet de marcher sur les pas de Simon Floribert Mbachi-Bacha, un modèle. De là, cap vers l'OEBK, où Yersong Watun, représentant du secrétaire général au transport, préside la cérémonie de remise-reprise entre les DG entrant, Jean-Claude Mavambo, et les DG sortants, Gloria Toulouka. Gloria Toulouka, DG sortant, reconnaît avoir en si peu de temps abattu un travail de titan qui aujourd'hui aboutit à la valorisation des cadres et agents de l'OEBK. Les DG entrant, lui, promet d'apporter un nouveau souffle à l'OEBK et sollicite le soutien de tous pour l'émergence de cette entreprise publique de l'État. Deux pasteurs consacrés à l'église pentecôtiste des Secours, moment de communion qui a permis au révérend pasteur de cette église, Ejiba Yamampia, de lancer un appel à l'unité, Cédric Kenina et Siandé Emaka. Cérémonie d'ordination de deux pasteurs de l'église pentecôtiste des Secouristes du révérend pasteur Ejiba Yamampia. Plusieurs personnes ont répondu présents à cette cérémonie religieuse. Une cérémonie qui a suivi pas à pas les processus en la matière. Prière d'ouverture, présentation des candidats et du comité d'ordination, mais aussi adoration et louange. Les révérends pasteurs Ejiba Yamampia, prédicateur du jour, a centré son message sur la dignité sacerdotale. Pour ces derniers, être pasteur est une dignité et un honneur, car ces derniers est appelé à prendre
la charge des autres, les fardeaux des brebis du Christ. Cependant, le pasteur doit être né de nouveau. C'est la gloire de Dieu, mes impressions, c'est le peuple qui est content, mes impressions, c'est alors ces hommes qui ont été fidèles à moi et à l'Église, 30 ans durant, ils ont vu les autres quitter l'Église, mais ils sont là. Un moment de communion fraternelle qui s'est clôturé dans une ambiance bon enfant. Un communiqué nécrologique avant de clore ce journal. Le ministère du Portefeuille a le regret de vous informer du décès du colonel Ferdinand Mainda Bichilo, père biologique de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre du Portefeuille, la princesse Adèle Kainda Maina, mort survenue le 28 juillet 2022 à Kinshasa des suites d'une longue maladie à l'âge de 76 ans. Le programme des obsèques se présente comme suit. Demain, lundi 1er août 2022, culte d'action de grâce de 18h11 à 20h11, suivi du recueillement en la salle polyvalente de la cathédrale du centenaire protestant, mardi 2 août 2022 de 20h11 à l'aube, veillée mortuaire en la salle polyvalente de la cathédrale du centenaire protestant, mercredi 3 août 2022 de 7h11, arrivée de la famille en toute intimité à la morgue du cinquantenaire. 8h11, levée du corps pour la cathédrale du centenaire protestant. 9h11, début culte d'action des grâces suivi du recueillement en la cathédrale du centenaire protestant. 11h11, fin du culte et départ pour l'inhumation à la nécropole entre terre et ciel. Pour le cabinet, Clément Mouchengezi, directeur de cabinet. Mesdames et messieurs, c'est par cette note triste que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h Michel Patrick Moukoui pour un autre journal. Mais à 23h, c'est Peggy Mukunda. Au revoir et à la prochaine, toujours sur la RTNC.